Piloté par Yann Lammers, Richard Reidel ou encore Tim Harvey en BTCC lors de la saison 95, le break Volvo avait fait parler de lui à l'époque et est aujourd'hui une des voitures les plus mythiques de l'histoire du championnat de supertourisme anglais. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui, direction logiquement Brands Hatch pour tester cette voiture qui débarque en mode dans Assetto Corsa. Alors, ne vous méprenez pas, ce n'est pas la version BTCC, mais bien la version route originaire de 97 que l'on a reskinée, rebadgée en version BTCC. Quelques points techniques sur cette voiture. Un poids de 980 kg pour une puissance de 275 chevaux et un couple développé à 488 Nm. Et le 0 à 100 se fait en 4 secondes 9, mais ce qui est très intéressant avec cette voiture, et vous allez le voir sur ces quelques plans ici à Brands Hatch, c'est que eh bien, le point de décrochage de l'adhérence est assez impossible à déterminer, même en prenant l'habitude. C'est-à-dire qu'à un certain point, si vous braquez de trop, eh bien, l'arrière va chasser. Heureusement, c'est une traction, en gardant le pied dedans, elle vous reviendra entre les mains. Mais c'est souvent à la limite que l'on va passer certains virages mi-vitesse. En tout cas, c'est un très bon mode. Le son, quant à lui, est caractéristique des super tourismes de l'époque, mais n'est pas forcément en corrélation avec ce qu'était le bruit de cette Volvo à l'époque de sa période compétition. Je vous laisse profiter de cette voiture et du son qui, malgré tout, est quand même très agréable. Un mode bien fini, complet, même si on aurait aimé plus de finition au niveau du body kit de la voiture en version BTCC.